On se retrouve donc dans le quatrième épisode de ce let's play sur Call of Cthulhu. Et donc on va rentrer maintenant dans le manoir des Hawkins où il y a le vieux Silas. Donc voilà. Hop, alors, hop là, voilà. Bon, avant de rentrer, on va explorer encore un petit peu l'extérieur. Je m'excuse pour l'épisode un peu court, mais de la dernière fois, celui-ci risque d'être dans les mêmes durées. Pour une raison très simple, j'ai un temps limité de jeu. This entrance is still in use. Merde. C'était pas ce que je voulais faire. Trying to force the door, you nosy prick. Easy, sir. All right. Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Allez. Put down the axe, and I'll forget that you threatened a cop. Show your badge, cop, and then we can talk. You don't need to see my badge. You're a bad liar, city boy. For the last time, tell me why you're here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, you will never hear of me again. I like the sound of that, but I have a better idea. You leave right now, and you never come back. Officer Bradley, this hood was trying to break into the mansion. Do something, Bradley, or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe that someone entered the mansion and stole some paintings. Impossible. I would have seen it. Better safe than sorry. Now let us in. I promise to keep an eye on this one. Okay then. I'll leave the key with you. You could have told me that earlier, Sonny. Let's see what more I can learn from this mansion. Oh, Nicker. Stop bothering me. Je vais jouer encore les électrons libres et je vais aller voir là-bas du coup la porte puisque c'est pas par là qu'on rentrait. We'll have to find another entrance. La question, si je l'avais vu avant, oui c'est par ça même. Alors... Stop bothering me. Yes. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Putain, il faut à la fois utiliser la clé et à la fois ouvrir. Putain, je ne veux pas faire ça d'un seul trait. Aïe, 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 aïe. Bah du coup finalement, vu que les temps de chargement sont pas si longs que ça, je vais peut-être les laisser, puis ça me permet de discuter un peu avec vous de l'univers de Lovecraft. L'histoire du tableau, ça m'a également fait un peu penser à Charles Dexter Ward, à l'affaire Charles Dexter Ward, si vous connaissez.
Je vous le recommande, il est plutôt sympa, même si ça reste pas la meilleure des nouvelles de Lovecraft. À mon sens, une des meilleures, c'est Les Montagnes Hallucinées. Et après, si vous avez vraiment, mais vraiment beaucoup de temps, je vous conseille le cycle des Contrées du Rêve, qui est vraiment très bien aussi. Et qui, pour le coup, est vraiment une œuvre longue de Lovecraft comparée aux autres, puisque c'est un cycle de plusieurs nouvelles, qui, du coup, ont un lien entre elles, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les œuvres de Lovecraft, même si certaines peuvent avoir deux, trois liens, comme ça. Follow me. I know the place. Peut pas fouiller Who là-dedans. left this light on? Pas de documents à espionner. Ok. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Et ils nous le disent à chaque fois pour rentrer dans le mode reconstitution. Alors, je m'excuse pour vos yeux, hein, si vous regardez ça en plus la nuit. Alors, il doit bien y avoir un truc avec le feu. Oh, la bouffe. Qu'est-ce qui me bloque une chaise? Putain, la vache, bloquée par une chaise. C'est pire que le Pokémon et les 8 sons. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Ok. Il n'y a pas d'autre chaise, pourtant il y a un couvert ici, il y a un truc là. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Et la mère était là, ok. C'est un poil Sarah trop guillu Hawkins' quand même. plate. Why did she leave it untouched? C'est quand même Something bizarre. happened at this table. An argument? C'est quand même chiant que ce soit comme ça qu'il n'y ait pas vraiment d'autres. On peut pas les faire dans l'ordre, enfin dans un ordre différent que celui qui veut nous imposer. Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. On vérifie. Fait le tour de la pièce. Hein. Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. Ah, il est là. Il n'y a rien sur la table que je puisse récupérer. Ici. They seem happy. But Charles is already looking off into the future. His marriage just a stop along the way. They seem happy. Ça me dit But la même Charles chose. is already looking off into the future. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Pyramide, c'est un Illuminati. Par contre, la texture derrière la photo, c'est pas ouf. Charles Hawkins pose tel un explorateur devant des ruines exotiques, ouais, les pyramides de Gizeh, quoi, tu parles. Il est de notoriété publique qu'il a dilapidé sa fortune en onéreuse expédition. Que cherchait-il? Too much rubble. I'll find an easier way. Let's see if I can find something the cops missed. J'ai vraiment envie de fouiller avant de passer en mode investigation. Reconstitution, je veux dire. Alors, ici. They had a fight. Lampe à Why? huile. Baiser. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How?
Un objet caché dans le coin. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Like, he buvait? The child's corpse left a trace. Where are the others? J'avoue. J'avoue, j'avoue. Did someone escape the fire? J'ai trouvé du coup. L'objet, et du coup je peux pas sortir, du coup. Ah, je peux pas quitter le mode, donc j'ai pas tout trouvé. Ah, le tableau manquant. The painting I found on the docks really came from here. How come it didn't burn? J'avoue. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Qu'est-ce que c'est? So, Detective, what do you make of it? Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So, well. It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. J'ai gagné un PP. Vas-y, les livres, il y en a pas un qui peut m'augmenter quoi que ce soit. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble.
Sérieux, y a pas de bouquin qui peut m'augmenter l'occultisme ou quoi là? Moi, je suis déçu sur 20. La lettre, on peut pas la récupérer. La porte là pour le moment est fermée. Là. Histoire générale de la médecine au XVIIIe siècle. Ce recueil des connaissances médicales et des pratiques de santé au XVIIIe siècle ne couvre en réalité que les pays dits civilisés. Il ne traite pas de l'influence des médecines holistiques ou venues du continent ou de continents jugés inférieurs. Là-bas, mais the lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Aha. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Nice. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Il est sur la bibliothèque là-bas. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Une copie du roman Moby Dick d'Herman Melville, un classique surtout pour une famille d'armateurs. Elle est sexe l'édition quand même, hein. Moby Dick or the Whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Oh. Il y a un truc, je sais pas si c'était un bug ou quoi. Le piano. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Corps humain, analyse en comparaison, un traité précis extrêmement détaillé des particularités du corps humain comparé au monde animal. Sa simplicité d'écriture et la vulgarisation de son propos le rendent accessible aux profanes. Mouais. Ce que je gagne en ce moment en médecine légale. J'ai 3 points. Je les placerai plus tard. Le dernier souper, la photo, la scène de l'incendie, la chaussure de Sarah, la lampe à huile brisée, la clé de service. Dans les découvertes, on a du coup les bouquins. On a sorti. Portrait, mais on peut rien en faire. Non. Bah écoute, on va remonter. Hein. Ça, je l'ai déjà lu. Ouais. Ah. A book on the first ouais. Inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla.
Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Dans le bouquin, je peux pas. Là. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Une édition rare du roman de Jules Verne, qui a également une couverture assez classe, quoique relativement sobre, comparé à l'édition de Moby Dick ramassée précédemment. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Cher monsieur, comme vous le savez, j'ai toujours éprouvé un profond respect pour vous et votre famille. Malheureusement, je ne puis continuer à fermer les yeux sur le comportement de votre épouse. La semaine passée, elle a encore effrayé ma clientèle. Je sais qu'elle ne pense pas à mal, mais vous devez la confier aux bons soins du docteur Fuller. Lui seul semble être capable de lui faire recouvrer la raison. Si ces désordres devait se répéter, croyez bien que je serai au supplice, mais il me faudrait faire intervenir la police. Respectueusement, Anton Vela. Ok. Je pense qu'il n'y a rien derrière. Comme d'hab. Si vous les entendez, mais ils bougent pas, c'est mon père qui fait des allers-retours, qui s'éclate. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Les barbituriques, ça agit comme un dépresseur du système nerveux, mais quand on commence, on ne peut plus s'en passer. J'en sais quelque chose. On va ouvrir la malle. Parce que je suis pas assez bon en investigation pour. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Ok. Est-ce que je peux y accéder par là? Locked. Non. C'est très très sombre. The boys' room. Aha. Alors, voyons voir des petits soldats ici. From what threat was Simon protecting his world? Ouais, j'avoue, le mec, il est bien. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Truc que tous les petits américains d'avant maintenant avaient dû avoir lu au moins une fois dans leur vie. Maintenant, je suis même pas sûr qu'ils sachent ce que c'est. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? J'avoue.
Par contre, c'est chiant, alors qu'il y a tous les trucs qui sont l'un à côté de l'autre d'avant. What nightmarish vision could have inspired them? La même chose que ce que sa mère voyait, probablement. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Il semblait inquiet pour sa mère et pour sa crise. La tension semblait également monter entre les époux Hawkins. Est-ce que l'incendie serait le résultat d'une dispute? What was going through that boy's mind? La même chose que dans la tête de sa mère. This door is locked. Il y a un objet caché dans le coin. Pas ici, a priori. Pas très loin. Dans le coin, il y a un truc qui est planqué. Ouf. Tous les coups, c'est dans l'espèce de machin là-bas. It's no use. Je vais voir un truc. Puisqu'a priori c'est sur l'investigation, je crois, que ce truc augmente. Voilà, on va s'augmenter un peu en investigue. Bon, ouais. The padlock won't give. Non, ça a rien. It's no use. Tant pis. Padlock won't give. Mais, il y a un objet caché dans le coin. Ici c'est fait. Là je m'en éloigne, on est d'accord. Là, putain, sous mes yeux. Non. Non. It's no use. The padlock won't give. Tu rentres par là, du coup. Oh putain. Rituel satanique. Enfin, du coup, pas satanique quand on connaît l'univers de Lovecraft. Mais... The door is blocked on the other side. Ouais. Avec le cadenas, c'est logique. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Alors, page gauche, page 1 gauche, janvier, avril, peinture pour client Boston, peinture pour JF, client Boston, maman. Elle en a fait, punaise de vente. Ben, ça devait pas se porter si mal, théoriquement, au niveau des finances, vu ce qu'elle vendait d'œuvres. Même si ça reste pas... On voit qu'entre mai et août, elle a fait 680,
1430... 1430... Voilà. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Je me demande aussi. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Je sais pas, t'as pas le bouquin d'occulte là. Pour être enseigné sur le sujet. Bradley, is that you? If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Il y avait pas une porte aussi, je sais pas explorer en bas. C'était quoi ça? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. This door is blocked from the outside. Ah oui, il y avait ça. Ça, je peux pas. This door is locked. Ok. Bon, du coup, on sait qu'on va se faire hagard, à mon avis, là-haut. Il y a de grandes chances. Pas se mentir. Est-ce que c'est Stylas? Est-ce que c'est le voleur? Tout ça reste en suspens. Ce sera mieux que le briquet. Did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door is blocked from the outside. I'll cover you. Bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's... This door was closed earlier. Where did he go?
Must have got out some way. No, no, he was here. I'm sure. Let's search this room. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old Seaway map. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. C'est dégueulasse. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. I'd be better off not touching them for the moment. À mon avis, c'est un truc avec... This globe seems to have been part of some mechanism. C'était certain. Doesn't work. C'est probablement la carte. Hein. Looks like it worked. Le pif gagnant, putain. Well done, Pierce. Seems like this came from a log. Chut, putain. Oh putain, ils sont chauds. Lundi 24 mai 1847, île de Darkwater, on navigue vers le nord, tout d'un moment, il lui dit qu'il va battre l'Orphée cette saison. Que Dieu soit miséricordieux. Je vous laisse mettre sur pause. Hein. There must be a link with the Seaway map. Voilà. J'aimerais choper l'objet caché. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Désolé, hein, les parents sont un peu chiants, mais voilà. Charles, j'entends tes inquiétudes et je puis t'assurer que Sarah serait entre de bonnes mains ici à l'Institut Riverside. Il va sans dire que son état nécessite des soins extrêmement spécifiques et une attention soutenue. Son plein potentiel ne pourra s'exprimer qu'à la condition qu'elle soit intégrée à un environnement sécurisé et entourée d'un personnel qualifié. La décision te revient de bien entendu. Mais je crois comprendre que le temps commence à te manquer, ton ami Thomas Fuller. Voilà. Eh bien, nous allons recharger notre lampe. Et nous allons nous avancer dans le passage. Et je pense que nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas si mal. On aura relativement bien avancé pendant ces presque 40 minutes. Bon, je sais pas si le let's play vous plaît ou quoi que ce soit, si le rythme vous convient également. Sachant que moi, je peux pas vous faire plus d'épisodes que ça, puisque là, aujourd'hui, le 31 octobre 2018... je pouvais enregistrer que deux épisodes, un peu comme ça, comme hier, le 30, le jour de la sortie, vous avez eu le premier épisode et le deuxième. Mais voilà, c'est... là, en plus, la diffusion est tous les deux jours, ça permet de faire des contenus relativement souvent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est histoire de dire qu'il y a du contenu sur la chaîne,
et faire partager ma passion de Lovecraft. Et je m'excuse également pour les parents un peu chiants qu'on entend par moment, j'espère, pas trop dans la vidéo. Mais voilà. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus. Ciao!